ce vendredi. Notre témoin du jour, du soir. Parce qu'après 17h, il commence à faire nuit en France. Mais merci à vous, Eliott. Est-ce que vous allez bien? Oui, je pioche un peu, comme on dit. Vous piochez, vous avez un coup de fatigue. Non, ça va. Je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur. Vous étiez présent d'ailleurs à la manifestation hier des médecins libéraux. Oui. Vous avez pris la parole en disant... À leur demande. Oui, bien sûr à leur demande. Mais vous avez dit, les soignants, l'hôpital public est à vos côtés. Oui, alors c'est ce que j'appelle de mes voeux parce que la santé est une entité unique. Si la ville est malade, l'hôpital ne va pas bien. J'ai l'impression, suite aux annonces du président, que pour que la ville aille bien, il faudra que les hospitaliers soient derrière. C'est une grande famille, le soin. On essaye de le disloquer, de le fractionner, de l'opposer. J'entends. Mais ça ne marchera pas.